Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler d'enseignement, on va parler de pédagogie, on va parler d'une dame qui s'appelle Maria Montessori. Et pour ça, j'ai invité Céline Guerrero. Salut Céline, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Alors Céline, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Oui, alors donc je m'appelle Céline Guerrero, j'étais enseignante pendant 11 ans et quand j'ai découvert la pédagogie de Maria Montessori en 2013, en fait, voilà, ça a été vraiment une révolution. J'ai eu l'impression de découvrir un trésor qu'on m'avait caché pendant toutes ces années. Et donc voilà, depuis 2013, je passe chaque minute de mon temps libre pour essayer d'en découvrir davantage. Et voilà, en 6 ans, il y a eu beaucoup de changements, puisque donc là, je ne suis plus en classe pour l'instant, je suis en disponibilité. J'accueille des enfants à la maison pour des ateliers Montessori les mercredis et les vacances. Et j'ai aussi commencé à former des adultes parce qu'en fait, toutes ces choses merveilleuses que je pouvais observer avec les enfants, juste en changeant en changeant quand même ma façon d'enseigner, et ben voilà, c'était tellement merveilleux que j'ai eu envie qu'il y ait le maximum d'enfants possible qui puissent en profiter. Donc voilà, du coup, depuis l'année dernière, j'accompagne aussi des enseignants, des écoles publiques et privées sous contrat, pour que cette pédagogie puisse rentrer dans les écoles. Voilà. Eh ben super, de toute façon, on va aller explorer ça un peu plus tard dans l'interview. Oui. Mais comme à chaque fois, voilà, donc dans les podcasts, on aime bien remonter aux racines et donc on va aller au départ, on va partir dans l'enfance. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Céline, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance? Le premier. Alors déjà, il est, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais c'était vers 6 ans. J'en ai pas beaucoup, pendant la maternelle, j'ai pas trop de souvenirs. Mais ouais, je dirais 6-7 ans. Alors j'en ai plusieurs, je ne pourrais pas dire comme ça quel est le premier, mais ceux qui me viennent à l'esprit, c'est les voyages à la neige, les voyages scolaires une fois par an. Quand on partait, voilà, et à chaque fois c'était au ski. Donc ça, voilà, le fait de dormir à l'extérieur, d'être avec les autres et pas en famille, ça c'est vraiment des bons souvenirs. Enfin, j'en garde des bons souvenirs. Et j'en ai un aussi, voilà, de la même époque. Alors ça serait difficile de les classer, mais alors celui-là était un peu moins joyeux. C'était, on préparait un petit cadeau de fête des mères, un petit coussin à coudre, et la maîtresse en fait avait trouvé que ma couture n'était pas très droite et m'avait mis un petit coup d'aiguille dans le ventre. Voilà. Sympa. Sympa, hein? Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes plus anciens souvenirs, je dirais que c'est ces deux-là. Voilà. Mais tu vois, quand c'est marrant parce que je te parle des souvenirs d'école. Je te parle pas des souvenirs en famille. Ouais. Ah bah écoute, c'est pas grave. Bon, je prends. Voilà, je prends. Et ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je suis perdu. Oui, ça y est, j'y suis arrivé. Comment était la petite Céline, voilà, à cet âge-là? Bah, je pense que j'étais pleine d'énergie, voilà, j'avais beaucoup, avec le recul, hein, j'en avais pas du tout conscience à cet âge-là, évidemment, mais voilà, ça fait quelques années, je pense que j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions, et ça débordait, en fait, tout le temps, que ça soit la joie, la tristesse, la colère, en fait, c'était toujours, plus, et j'étais, voilà, une petite fille, à mon avis, très vivante, qui avait besoin de bouger, et rester assise en classe pendant des heures, apprendre des choses, voilà, des fois des choses que je connaissais déjà, je pense que ça a été difficile. Et sur mes bulletins scolaires, la phrase qu'on retrouve tout le temps, c'était « Céline est trop bavarde, elle pourrait même parler au radiateur ». Voilà, donc je pense que... Sympa comme commentaire, ça. Elle pourrait parler au radiateur, c'est sympa, ça. Mais je pense que j'ai été beaucoup... Enfin, avec le recul, j'ai l'impression qu'on m'a fait rentrer dans un moule qui ne me convenait pas. Et voilà, moi, j'avais vraiment besoin de bouger, d'apprendre, d'être... Une petite fille bien vivante, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu aimais faire à cette époque-là? À cette époque-là... À part parler au radiateur, bien sûr. Oui. Quand j'avais 6-7 ans, je pense que les copines avaient beaucoup d'importance.
Donc ouais, j'ai quand même des souvenirs aussi dans la cour de l'école. Voilà, je pense que les copines ont commencé à vraiment avoir de l'importance vers 6-7 ans. J'ai pas trop de souvenirs de ce que j'aimais faire à cette époque. En fait, je pense que je ne le savais pas ce que j'aimais faire. Et je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard. D'accord. Et donc, on va avancer un petit peu, on va aller donc vers le collège. Comment ça se passe au collège? Alors, ça a été très compliqué pour moi parce que, au niveau relationnel, on va dire. Voilà, j'avais du mal, j'avais envie, voilà, de m'intégrer, faire partie d'un groupe. Alors, j'avais ma copine attitrée, mais sinon, avec les autres de la classe, je me rappelle beaucoup de moqueries, beaucoup de, voilà, beaucoup de, pour la limite, parler de harcèlement, tu vois. Du coup, voilà, c'était vraiment une période difficile. En primaire, voilà, tout roulait au niveau des apprentissages. Si tu veux, j'avais aucune difficulté, je m'ennuyais même un peu. Et au collège, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué. Je pense que j'avais besoin de sens et je ne le trouvais pas en fait. Avec toutes ces matières un peu voilà, saucissonnées, où dans telle matière on apprend ça, puis ça, puis ça. Et en fait, moi, je pense que j'apprenais juste pour avoir une bonne note, pour faire plaisir à mes parents, faire plaisir aux profs. Mais je ne le faisais pas pour moi-même en fait. Je ne comprenais pas l'intérêt de faire tout ça. Donc, du coup, pas envie. Enfin, si, voilà, j'apprenais ma leçon par cœur, hop, je la récitais, enfin, je l'écrivais et j'avais une bonne note. Mais voilà, c'était pas. En tout cas, je prenais pas de plaisir. Voilà. Plus le fait que ça soit difficile avec les autres, voilà, je garde pas des bons souvenirs de la période du collège. Ok, avançons vers le lycée, comment ça se passe? Alors, lycée, bah voilà, il fallait que j'aie mon bac. Alors, on m'a dit, il faut que tu aies ton bac. Voilà, je l'ai eu. Mais toujours pareil, en fait, ce n'était pas pour moi que je le faisais. Et j'ai commencé à vraiment savoir pourquoi j'étais là et à être motivée. C'était ma première année de fac. Voilà, donc un peu plus tard encore, tu vois. En première année de fac, j'ai su ce que je voulais faire. Et là, ça a été complètement à la fin de la première année. Parce que je me rappelle qu'en première année de fac, j'ai eu 10 tout pile. Parce que j'étais là sans vraiment savoir pourquoi. Je n'avais pas d'objectif. Et l'été, j'ai su que je voulais être enseignante. Et là, forcément, deuxième année, j'ai eu 14. Parce que je voulais plus perdre de temps à la fac. Je voulais pouvoir passer le concours, pouvoir être enseignante. Donc à partir du moment où j'ai eu mon objectif et que j'ai su ce que je voulais faire, j'ai foncé, puisqu'après, donc voilà, j'ai terminé la fac, enfin, je suis allée jusqu'à la licence. À l'époque, on n'avait besoin que d'une licence. Et après, j'ai eu mon concours de professeur des écoles du premier coup. Parce qu'en fait, voilà, je suis comme ça, en fait. Quand j'ai envie de quelque chose, je vais vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Donc, je ne voulais pas perdre de temps et j'ai foncé vers mon objectif. Ok. Et enfin, est-ce que tu te souviens de ce moment donc où tu t'es dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire, c'est bon, ça y est, je sais où je sais ce que je veux faire. Ouais, je m'en rappelle bien, c'était donc à la fin de ma première année de fac, c'était pendant l'été, un voyage au Portugal avec mon mari, enfin, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari et sa famille. Et j'avais rencontré une cousine à lui qui était enseignante et on avait échangé. Alors, elle devait bien parler français, je me rappelle d'avoir échangé avec elle. Et elle m'avait raconté son quotidien de maîtresse. Et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. D'accord, ok, très bien. Donc tu fais ta licence, tu fais ta licence, et ensuite donc tu passes le concours, voilà, pour devenir professeur des écoles. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, une fois que j'ai eu le concours, Ouais, une fois que tu as le concours, ouais, qu'est-ce que tu fais? j'étais à 1 heure, 1 heure et quart de chez moi, dans un petit appartement, toute seule. Donc, première expérience, voilà, en dehors de la maison. Et du coup, loin de mon mari. Donc, je me suis dit, non, mais là, ça ne va pas être agréable. Ça dure 1 an, pas 2. Enfin, voilà, ça c'était ce qu'on appelait ça la PE1 et la PE2 à l'époque. Oui, c'est ça. Il y a eu l'année avant d'avoir le concours et l'année aussi après. Le fait d'être séparée, en fait, je me suis dit, non, mais là, voilà, je sais ce que je veux faire professionnellement. On est séparés, ce n'est pas l'idéal. Du coup, j'ai vraiment foncé. Donc voilà, j'ai validé ma deuxième année. Et puis ensuite, j'ai enseigné à 30 minutes de chez moi pendant 6 ans. Enfin, 6 ans, plutôt 4 que 6, puisque j'ai eu mes deux filles pendant ces 6 années-là. Ensuite, j'ai réussi à retourner sur Dijon, donc plus proche de mon domicile, pendant 4 ans à peu près, 4 ans sur Dijon. Voilà, donc en fait, Ok. j'ai été enseignante pendant 10-11 ans. Voilà. D'accord. Donc tu étais professeur des écoles? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait en fait en tant que professeur des écoles? Eh ben, d'être avec des enfants, mes premières années, hein, c'est différent de maintenant. Donc mes premières années, Ouais, je pense ouais, ouais.
ce que je préférais le plus, c'était de voilà d'être avec les enfants, de réfléchir. Je passais beaucoup beaucoup de temps à préparer en amont avant d'arriver en classe, parce qu'en fait je me disais voilà que mes préparations avaient beaucoup beaucoup d'importance, puisque voilà j'avais la responsabilité en fait de tout ce qu'ils allaient vivre dans une journée. Et donc du coup j'étais tout le temps en train de chercher des nouvelles méthodes pédagogiques pour être sûre de leur proposer le meilleur. Donc voilà, je sais que je prenais beaucoup beaucoup de plaisir dans mes préparations et après dans le quotidien de la classe, mais il y avait aussi des difficultés pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Et avec le recul, je me dis, mais oh là là, j'ai fait vraiment plein d'erreurs. Bon, je sais que ce sont des erreurs qu'on apprend, mais elles ont quand même des conséquences. Alors quand je dis plein d'erreurs, je suis très perfectionniste, hein, c'est pour ça que je dis plein d'erreurs. Mais voilà. Avec le recul, voilà, je me dis, il y a des choses, j'aurais dû le savoir, même si je débutais. Enfin, en tout cas, ce que voilà, où je veux en venir, c'est que pendant la préparation, pendant les 2 années de formation, on n'est vraiment pas assez formé. Il y a plein, plein de choses qu'on ne nous transmet pas, pour pouvoir en fait accompagner, au mieux les enfants. Alors justement, c'est vraiment aussi l'objet de ce podcast, notamment via l'enseignement, et puis on parlera un peu plus tard là de la créativité. C'était quoi ces points qu'on, à ton avis, à l'époque, qui te manquaient pour pouvoir bien enseigner aux enfants? La connaissance du développement de l'enfant, en fait. Pas juste les connaissances, voilà, en maths, puis encore en maths, voilà, vous allez leur apprendre ça, puis enfin, enchaîner le programme, en fait. Je trouve qu'on passe énormément de temps sur le programme et pas du tout sur on a très très peu de connaissances sur l'enfant, ou en tout cas, je me rappelle pas. Donc si je me rappelle pas, c'est que voilà. D'accord. Il n'y avait pas de cours, par exemple, sur le développement de la psychologie de l'enfant ou psychomoteur de l'enfant, par exemple? Il y a dû en avoir quelques-uns, mais tu vois là, c'était en 2000, j'ai commencé à enseigner en 2006, donc ma formation, ça devait être 2004-2005, ouais, 15 ans plus tard, ce que je retiens, enfin, les souvenirs que j'ai de cette formation, c'était vraiment le côté comment on va leur apporter ça en maths, comment on va leur apporter ça en français, en histoire, en géo, et pas vraiment pas des choses qui me semblent fondamentales aujourd'hui sur le développement de l'enfant. Voilà. Maria Montessori, c'est un nom, je l'ai découvert en 2013, j'en avais pas du tout. Peut-être que le nom m'évoquait comme ça vaguement quelque chose, j'avais déjà entendu son nom, mais en tout cas, il a vraiment dû être évoqué de manière très vague, parce que j'avais aucune connaissance sur Maria Montessori, sur tout l'héritage qu'elle nous a laissé. Donc peut-être qu'ils ont dû le dire pouf comme ça en 5 minutes, et ça méritait vraiment de s'y attarder beaucoup, beaucoup plus, quoi. Oui, alors justement, voilà, donc tu disais que tu as été enseignante pendant 11 ans. Donc c'est à partir de quand que tu découvres justement les travaux de Maria Montessori? Fin de l'année 2013. Fin D'accord. 2013, je reprends contact avec une maman que j'avais rencontrée à l'hôpital, parce que donc j'ai 2 filles, et la plus jeune en fait voilà, a passé un bon bout de temps à l'hôpital à sa naissance. Et du coup, voilà, on avait échangé. Et quand j'ai repris contact avec elle 2 ans plus tard, je lui parle des difficultés de ma fille au niveau moteur, parce qu'elle a un handicap au niveau moteur, et elle me dit, comment envisages-tu l'avenir? Montessori, point d'interrogation. Et là, ça a été vraiment c'est vraiment le déclic. Je me suis dit, c'est qui Maria Montessori? Ça ne me dit pas grand-chose. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mise à chercher, chercher. Et très, très rapidement, je me suis dit, enfin, j'ai pris conscience de l'énorme trésor qu'on m'avait caché, tu vois. Et je me dis, mais j'ai envie de tout découvrir tout de suite maintenant. Donc voilà, je me couchais à minuit tous les soirs. Je passais tout mon temps à lire, chose que je faisais très rarement avant 2013. Bon, voilà, je lisais un roman policier ou deux l'été, mais dans l'année, je ne lisais pas, et c'était vraiment trop dommage avec le recul, maintenant que je le sais. Mais voilà, depuis 2013, je dévore les bouquins, je dois en lire, je ne sais pas, au moins un par mois, voire plus, même 2 par mois, je dirais. Donc en 2013, voilà, je prends conscience de tout ce trésor, et je m'engouffre dedans en me disant, oh, mais voilà les réponses à mes questions depuis tant d'années, en fait. Ok, alors justement, pour les personnes qui ne savent pas qui est Maria Montessori, peux-tu voilà nous rappeler qui est Maria Montessori justement? Ouais, donc elle est née en 1870 et morte en 1952, juste pour resituer un peu la période, hein. Et ça a été la première femme médecin en Italie. Donc au début, elle s'est occupée d'enfants voilà,
qui avait un handicap. Et finalement, après, ça a tellement bien fonctionné qu'elle a étendu, en fait, enfin, qu'elle s'est occupée de tous les enfants. Et la première maison des enfants qu'elle a ouverte en 1907 à San Lorenzo, en fait, le maire de Rome lui avait dit « Je veux construire un nouveau quartier, j'ai peur que les enfants qui traînent ici détériorent voilà, l'habitat. Est-ce que vous pourriez vous en occuper ?» Donc voilà, elle a rassemblé ses enfants qui vivaient un peu dans la rue, hein, et elle a commencé à réfléchir, à aller beaucoup, beaucoup les observer. Vraiment, l'observation, c'est un des piliers de cette pédagogie. Et en les observant, elle s'est dit, mais de quoi ils ont besoin? Et elle a fabriqué des petites tables et des chaises à la hauteur, à la taille des enfants. À l'époque, ça n'existait pas, c'était que des tailles pour les adultes. Elle a commencé à apporter du matériel et elle s'est aussi inspirée d'autres de Séguin et Itard. Hein. Elle n'a pas tout inventé, mais en fait, elle a passé sa vie à observer l'enfant et pour connaître, en fait, c'est elle qui a dit les lois naturelles de l'enfant. Céline Alvarez a repris ce terme-là, mais en fait, elle voulait connaître vraiment de quoi un enfant avait besoin pour s'épanouir. Donc, vraiment, tout est parti de son observation, de son expérimentation. Et donc, ce qui est vraiment très différent par rapport à ce qu'on connaît dans les écoles ordinaires, c'est que on va partir de l'enfant, pour lui proposer un environnement adapté. Donc, un enfant de 3 à 6 ans, un enfant de 6 à 9, 9 à 12, on ne va pas lui proposer le même environnement. Et ces chiffres-là, elle ne les a pas inventés au hasard. Hein, voilà, c'est les plans de développement. Quels sont les besoins d'un enfant de 3 à 6, de 6 à 9, de 9 à 12, 12, 15, 15, 18, voilà, jusqu'à 21. Oui, c'est ça, 18, 21. Et en fait, on va travailler sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire, alors à l'éducation nationale, les programmes en CP, ils doivent faire ça. Voilà ce que je vais faire en CP, voilà ce que je vais faire en CE1, hein, etc. Là, dans les écoles ordinaires, le programme, il part en fait de là-haut, en fait. Tu vois, il ne part pas du tout de l'enfant. Alors que là, c'est on travaille sur l'environnement, il y a du matériel adapté, et c'est l'enfant va savoir en fait de quoi il a besoin. Alors, l'adulte est indispensable aussi, hein, les enfants ne se débrouillent pas tout seuls. Mais en fait, en observant l'enfant, on va pouvoir vraiment lui proposer ce dont il a besoin en partant de là où il est pour l'emmener le plus loin possible. Voilà. Et un des gros problèmes des écoles ordinaires, avec ces programmes-là qui viennent de là-haut, c'est que les enfants sont tous différents. Déjà, on ne peut pas les ranger par date de naissance comme des objets de fabrication. Les 2009 ensemble, les 2010 ensemble, ça n'a aucun sens. Ma fille qui a 9 ans et demi, elle est née en janvier 2010. Sa copine, sa super copine, elle est née en décembre 2009. Elles ont un mois et demi d'écart. Elles ne sont pas dans la même classe, tu vois, du coup. Une en CM1, une en CM2. Et en fait, bon, déjà, voilà, on ne peut pas ranger les enfants par date de naissance. Il faut les mélanger, les multi-âges, c'est indispensable. Les enfants de 3 à 6 ans, les 6-9, les 9-12, voilà. Et parce qu'ils vont énormément s'apporter le fait d'être mélangés. Et surtout, même un enfant, même tu prends deux enfants nés qui ont la même date de naissance, ils vont être très très différents. Donc on ne peut pas tous leur proposer la même chose en même temps, ce n'est pas possible. Il y en a qui vont s'ennuyer, il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps et qui vont ramer pour suivre. On ne peut pas proposer la même chose en même temps aux enfants. Et ça, c'est un des gros gros soucis des écoles ordinaires. Et c'est pour ça que les enseignants galèrent autant et s'épuisent et n'en peuvent plus. Parce que c'est pas possible en fait, on ne peut pas faire ça. Bon, d'accord. Ouais, non mais très bien. Non, mais c'est. Non, mais il n'y a pas de souci, mais justement, ça m'intéresse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, et on va continuer encore la discussion donc autour de Maria Montessori, de ses travaux, parce que ça m'intéresse beaucoup, moi, notamment autour de la créativité. Mais ce qu'on va faire, c'est que 2013, donc tu découvres Maria Montessori. Comment ça se passe, voilà, donc t'es professeur et tu découvres Maria Montessori, et comme on l'entend, c'est une révolution personnelle, hein, donc cette découverte. Comment ça se passe en fait? Est-ce que donc à ce moment-là, tu continues quand même d'enseigner donc en tant que professeur des écoles? Enfin, que se passe-t-il à ce moment-là? J'étais en petite section à l'époque, à mi-temps. Voilà, mes deux collègues n'étaient pas du tout dans cet esprit-là et je ne pouvais pas les forcer à l'être. Donc, je faisais ma vie 2 jours par semaine, elles faisaient la leur des 2 autres jours. Et d'ailleurs, c'était des petits, donc 3 ans, hein, 3-4 ans, et ils se sont super bien adaptés. Moi, très rapidement, j'ai voulu tester des choses. En fait, je lisais voilà, que ça changeait beaucoup de choses, que les enfants étaient plus épanouis, que l'ambiance de classe était plus calme, qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin dans les apprentissages. Et si tu veux, j'avais tellement lu, tellement assimilé la théorie,
qu'à un moment, je voulais aller vérifier si c'était vrai, si ça fonctionne. Donc, très rapidement, j'ai apporté des changements dans ma classe. Voilà, même si j'étais là que 2 jours par semaine, j'ai quand même pu le faire. Et les enfants s'adaptaient très bien, en fait, à ces deux fonctionnements vraiment différents. Et voilà, j'ai continué de sentir ce potentiel, en fait, et de me dire, mais oui, en fait, je veux aller encore plus loin. Parce que, donc, ce que j'ai fait, comme j'avais des petits, j'avais demandé à ma directrice d'avoir des petits moyens grands. Parce que le multi-âge, comme je te disais, c'est indispensable. Et en fait, comme ma directrice, alors je pense qu'avec le recul, je n'ai pas assez communiqué, je n'ai pas été assez persuasive, je n'ai pas su assez lui expliquer pourquoi je voulais apporter ces changements. Et donc, elle a eu peur de la réaction des parents, et elle a dit non, 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 ce n'est pas possible, voilà, elle était un peu sur la réserve. Et donc, moi, après, voilà, j'ai pu partir en CE2. Toujours dans la même école, mais j'ai pu aller en CE2 avec une collègue qui était un petit peu formée dans cet esprit-là. Et donc voilà, en CE2, on a pu faire quand même déjà plein plein de choses positives dans ce sens-là. Mais si tu veux, ça ne me suffisait plus. Parce que j'avais quand même les contraintes de cette grosse école. Et voilà, j'avais des contraintes qui m'empêchaient d'aller expérimenter un peu plus en profondeur. Donc en décembre 2016, j'ai pris une disponibilité. Alors j'ai beaucoup réfléchi, hein. C'est l'été, pendant l'été 2016 que j'ai trouvé la solution, parce que je ne pouvais pas voilà, partir, puis ne pas. Enfin voilà, financièrement, il fallait quand même que j'assure un peu mes arrières. Et donc j'ai eu l'idée en fait de continuer d'accompagner des enfants, mais à la maison. Voilà. Avec deux statuts différents. C'est là où on peut dire que j'ai fait preuve de créativité parce que donc bon, je faisais des ateliers le mercredi, le samedi, les vacances. Donc là, j'étais micro-entrepreneur, hein, rien d'exceptionnel, voilà. Mais par contre, moi, je voulais aussi accompagner des enfants en semaine. Je ne voulais pas me contenter que du mercredi, des samedis, des vacances. Donc, pour pouvoir accompagner des enfants le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je voulais accompagner des enfants qui font l'école à la maison. Voilà, mes deux filles ont fait être 3 ans d'école à la maison pour l'une et 2 ans pour l'autre. Et forcément, si je voulais accompagner des enfants en semaine, c'était des enfants pas scolarisés. Donc, sauf qu'en France, pendant longtemps, j'ai voulu créer une école aussi. Mais voilà, créer une école, c'est hyper compliqué. J'étais toute seule sur le projet, ça demande un investissement de dingue en France. Et 2 fois, j'ai tenté et voilà, j'ai pas réussi. Mais finalement, c'était pas plus mal, je te dirai pourquoi après. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un statut qui me permette de les accompagner légalement. Parce que voilà, il fallait quand même respecter voilà, certaines choses. Et comme ouvrir une école, je ne pouvais pas, j'ai profité du statut d'assistante maternelle. Donc souvent, les gens pensent qu'assistante maternelle, c'est pour garder des bébés de 0 à 3 ans. Voilà. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai profité de cet agrément d'assistante maternelle pour pouvoir accompagner des enfants c'est même jusqu'à 18, mais voilà, c'était jusqu'à 11 ans dans mon cas. Voilà, des enfants de 3 à 11 ans, du coup, pas de bébé. Et la personne voilà, qui m'avait délivré l'agrément avait bien compris que mon projet était vraiment différent d'une assistante maternelle lambda. Donc d'ailleurs, j'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop qu'on. Les gens, le problème, c'est que j'avais l'agrément d'assistante maternelle et après, il fallait que je leur explique pourquoi j'avais passé cet agrément, en fait. C'était vraiment pour pouvoir faire l'école à la maison à d'autres enfants avec la pédagogie Montessori. Mais les parents restaient quand même aussi responsables des apprentissages de leurs enfants. Évidemment, je leur apportais beaucoup de choses, mais ils restaient responsables vis-à-vis de la loi, des contrôles et tout ça. D'accord, parce qu'en fait, donc en 2016, donc tu passes cet agrément, mais donc moi, ce que je comprends, c'était surtout d'un point de vue légalité c'est surtout d'un point de vue légal, en fait, pour faciliter la mise en place de ton projet. Moi, c'est Voilà. surtout ce que je Mais comprends. il fallait que je trouve cette astuce, en fait, pour pouvoir. Voilà, pour pouvoir accompagner des enfants en semaine. Donc, voilà, j'ai trouvé ça. Et donc, de janvier 2017, je suis partie de l'école en décembre 2016. Et dès janvier ou février 2017, j'ai commencé à accompagner plusieurs enfants. Voilà, donc ça m'a permis vraiment d'expérimenter, en fait, voilà, d'apprendre à présenter le matériel, de tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Enfin, voilà, vraiment d'être dans cet esprit, de la pédagogie Montessori. Alors avec moins d'enfants que dans une classe, ça c'est sûr. Mais voilà, ça m'a permis vraiment d'acquérir de l'expérience et de confirmer que, bah oui, enfin, maintenant, pour moi, ça serait impossible d'enseigner dans une école ordinaire avec les anciennes méthodes. Je serais trop malheureuse. D'ailleurs, dès le début, quand j'ai commencé à avoir des connaissances et quand j'étais encore à l'école, j'avais un peu les fesses entre deux chaises, entre ce qu'on me demandait de faire et ce que j'avais envie de faire. Et où je sentais que là, c'était beaucoup plus juste. Donc, c'est pour ça que je suis vite partie, parce que
Je pouvais pas comme ça avoir les fesses entre deux chaises. C'est pas. J'ai besoin de cohérence, d'être en accord avec mes valeurs. Et voilà, j'avais besoin d'expérimenter. Et puis du coup, ça m'a permis d'expérimenter. Et voilà. D'accord. Donc de 2010, donc en 2017, tu es vraiment, bah, donc tu fais des cours à domicile, donc tous les mercredis et donc un peu les week-ends, c'est ça? Ouais, à l'époque, c'était mercredi, samedi, enfin toute la semaine en fait. Je travaillais du lundi matin au samedi midi et demi. D'accord, en fait, donc parce que oui, tu recevais également aussi des enfants qui étaient déscolarisés. Voilà, donc c'était en plus c'était le début, donc je voulais voilà vraiment mettre le paquet pour me faire connaître, que mon projet fonctionne. Enfin, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Alors justement, comment t'as fait pour justement pour te faire connaître, parce que justement c'est un projet quand même hyper atypique. Justement, comment tu as fait pour te faire connaître, voilà, et puis obtenir, enfin, là c'est pas des clients, mais en tout cas avoir tes premiers élèves. Ouais, alors j'avais créé un blog. Alors au tout début, le blog, je pense qu'il date de 2016-2017. Au début, mon blog, c'était pas dans le but de me faire connaître, mais c'était dans le but d'écrire des articles ou de faire des vidéos. Enfin, j'ai tout de suite préféré le format des vidéos pour partager en fait mes connaissances. Voilà, donc sur le blog, alors, il a changé de nom entre-temps. Maintenant, c'est montessori-apprendreautrement.com. Mais voilà, sur le blog, j'ai fait plein de vidéos et puis j'avais deux pages Facebook. Une plus pour mes ateliers où je parlais vraiment de ce qui se passe avec les enfants et une plus pour partager des articles quand je trouvais un article qui me plaisait, voilà, je le partageais. Et donc j'ai toujours ces deux pages Facebook, c'est vraiment ça qui m'a permis de me faire connaître, quelques flyers autour de chez moi, mais et en fait c'est le bouche à oreille qui a vraiment qui voilà parce que les gens étaient vraiment super contents et du coup voilà, le bouche à oreille m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce blog et ces deux pages Facebook. Et j'ai aussi créé un groupe Facebook. Donc si des enseignants nous écoutent, voilà, qui n'hésitent pas à le rejoindre. Je De l'ai toute appelé. façon, ce que je ferai, c'est que je le mettrai sous les liens, donc sous la vidéo. Donc voilà, de toute façon, si les gens sont intéressés par tout ton travail, ce sera sous la vidéo. Donc D'accord. Et le nom du groupe Facebook, c'est Réinventons l'école-Montessori. Voilà. Donc, parce qu'en fait, le problème des pages, c'est que j'étais un peu la seule à publier. Voilà, ils pouvaient faire des commentaires, mais ils ne pouvaient pas commencer une discussion. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce groupe, pour essayer de créer une communauté. Parce que, voilà, j'ai vraiment. Ça me tient tellement à cœur maintenant qu'il y ait le plus d'enseignants possible qui connaissent en fait cette pédagogie. Alors, et pour leur bien-être à eux, et pour les enfants, en fait. Ma motivation numéro une, enfin oui, c'était vraiment les enfants, développer le plein potentiel de tous les enfants. Et en fait, quand j'ai préparé ma formation en ligne, je me plaçais tout le temps du point de vue des enfants. Et du coup, j'ai compris que c'était aux enseignants que je m'adresse. Donc, il faut aussi que voilà, je sois un peu plus. Enfin, maintenant, j'essaye vraiment de prendre les deux en considération. Je ne sais pas que je n'avais rien à faire des enseignants, mais voilà, mon objectif, c'était les enfants. Mais pour que les enfants en profitent, il faut que ce soit les enseignants, en fait, qui s'y intéressent. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Oui, alors justement, donc tu disais que voilà, t'as fait des cours, voilà, donc à domicile. Quand est-ce qu'arrive, voilà, l'idée de, donc tu parlais, voilà, de cours en ligne, justement, à partir de quand ça arrive cette idée? Eh bien, alors j'ai commencé donc à accompagner les enfants à la maison tout début 2017 et j'ai fait mon premier accompagnement, ça devait être en octobre 2018. C'est ça, ouais, donc à peine 2 ans plus tard, quoi. Voilà, D'accord. octobre 2018, j'ai fait le premier accompagnement. Alors au début, je ne parlais pas de formation, je parlais d'accompagnement. Toujours tu vois, ce souci de légitimité qui vient un peu te titiller. Mais est-ce que j'ai vraiment des compétences? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à leur apporter? Et donc voilà, ça c'est arrivé vite quand même parce que. Et en fait, c'est ce premier accompagnement dont j'avais 4 personnes. Et leur retour, en fait, a été tellement positif et leur réaction, enfin, ils étaient tellement. Moi, ce matériel, ça faisait plusieurs années que je le manipulais. Donc, pour moi, j'étais plus dans le oh, waouh, trop bien. Mais eux, en fait, étaient dans cette. Ont eu cette réaction. Mais c'est pas possible qu'on n'utilise pas ça en classe pour leur faire comprendre. Parce que le matériel de mathématiques, surtout celui-là, est très très concret. Donc en fait, on va pas passer à l'abstraction tout de suite. Ça va être concret, puis on va aller progressivement vers l'abstraction. Et d'ailleurs, j'ai une enseignante qui a compris ce que 4 au carré et 4 au cube voulaient dire. Donc c'est là où on se rend compte. Et pourtant, c'était. Voilà, elle n'était pas.
comment dire, si une enseignante n'avait pas compris ça, ça prouve vraiment bien le problème du système actuel, quoi. Et là, elle a vu 4 au carré avec mes perles et 4 au cube. Elle a vu, voilà, plein de matériel. Et là, si tu veux, j'ai vu que, oh, ah, mais ouais, en fait, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Et ces 4 personnes ont été tellement enthousiastes et ça leur a tellement apporté. Et que ça m'a donné, en fait, la confiance pour continuer. Et donc voilà, la première fois c'était en octobre 2018. J'ai recommencé, je crois, en février 2019 et en juillet 2019. Donc là, j'ai déjà, voilà, accompagné 3 groupes d'enseignants et parents aussi qui font l'école à la maison. J'avais les deux. Et en fait, maintenant, je ne parle plus d'accompagnement parce que je parle de formation. Parce que déjà, le mot formation résonne plus, a plus de sens que le mot accompagnement dans la tête des gens. Et ça y est, là, je me sens vraiment confiante. Tu vois, je me dis, la première fois, je me dis, oh, est-ce que je suis bien légitime? Et là, en fait, maintenant, je sais que je peux énormément leur apporter. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, eh ben, à quoi ressemble ton activité? Alors, j'ai les deux gros piliers de mon activité, c'est les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Donc, là maintenant, c'est le mercredi et les vacances scolaires, je fais mes ateliers pour les enfants. Voilà, tu accueilles des enfants de 3 à 11 ans. Le mercredi, voilà, avec une inscription régulière à l'année et les vacances un peu plus souples. Et le deuxième pilier, du coup, c'est les adultes. Alors là, ça se découpe en deux parties. Là, depuis une semaine, ça y est, ma formation est en ligne. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà, parce qu'en fait, dans les 3 accompagnements, j'ai amélioré à chaque fois. Ça a duré 3 jours, hein, c'est sur 3 jours, à peu près 21 h. Et en fait, je trouvais que leur transmettre la théorie, les plans de développement, le multi-âge, les périodes sensibles, quand ils découvraient tout ça, j'aimais pas en fait la façon de leur transmettre un peu, tu vois, de manière... comme de vertical, tu vois, comme quand tu remplis un vase vide. Voilà, c'était totalement contraire à la pédagogie de Maria Montessori. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour leur transmettre cette théorie sans commencer tout de suite par la manipulation du matériel? Parce qu'un gros piège dans cette pédagogie, c'est de se précipiter sur le matériel et de se dire, voilà, j'apprends à le maîtriser, à le présenter, et hop, c'est bon, c'est parti. Et en fait, non, moi, ce que je voulais, c'était leur apporter toutes ces connaissances théoriques. En fait, pour leur vision de l'enfant soit différente, en fait. Voilà. Et ça, si tu veux, bah voilà, j'aimais pas leur transmettre comme ça en parlant. Ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Et je me suis dit, je vais leur envoyer les vidéos avant qu'ils viennent manipuler le matériel. Et comme ça, voilà, ils pourront. L'avantage d'une vidéo, c'est qu'ils peuvent la réécouter plusieurs fois, ils peuvent chercher d'autres infos, compléter. Et puis, une fois que j'ai eu mes 7 heures de vidéo sur l'ordi, je me suis dit, c'est un peu dommage quand même de garder 7 heures de vidéo comme ça. Non, 5h30, pardon. 7 heures, c'est avec les vidéos de Christelle. Donc, 5h30 de vidéo sur mon ordi pour m'en servir juste 2-3 fois par an, c'est un peu dommage. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de préparer une formation en ligne. Voilà. Parce que donc j'habite Dijon, hein, c'est pas, voilà, c'est quand même l'est de la France. Voilà. La France est grande, donc quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, ou en Belgique, ou dans tous les pays francophones, je me dis c'est un peu dommage en fait. Et comme mon envie est que, enfin comme ma mission dans la vie, c'est vraiment que le maximum d'enfants possible en profitent, bah, je n'ai pas envie de me limiter aux gens qui peuvent se déplacer jusqu'à Dijon, en fait. J'ai voulu faire ça en ligne. Alors, la partie théorique, hein, je dis bien, parce qu'après, ça n'enlève pas la partie manipulation de matériel. Ils peuvent la faire à Dijon, ils peuvent la faire ailleurs, voilà, il y a plein d'autres possibilités en présentiel. Mais en ligne, en tout cas, le travail que j'ai réalisé, pour l'instant, j'ai pas, y a personne d'autre ne le fait. Voilà. Il commence à avoir quelques formations en ligne, mais en tout cas, de la manière dont je l'ai fait, voilà, je pense que c'est la seule. Donc c'est un avantage et un inconvénient pour moi, parce qu'en fait moi je me suis dit, ouais, super, je suis la seule à proposer ça, ça va être facile. Mais en fait, j'ai pris conscience que d'ouvrir des portes fermées, c'est pas, voilà, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc voilà, aujourd'hui mon activité, c'est les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Et pour les adultes, c'est ma formation en ligne et la partie en présentiel. Et d'accord. Puis une autre part énorme de mon travail, et ça j'avais peut-être un peu sous-estimé, bah, c'est faire connaître ce que je fais. Parce qu'en fait, voilà ce qu'on en appelle ça, le marketing digital. Et ça, mais alors, ce n'était pas du tout mon truc. Au niveau informatique, moi, j'étais vraiment. Je partais de zéro. Hein. Je savais aller sur Word et sur Internet, tu vois. Donc, j'étais vraiment à ras les pâquerettes en compétences informatiques.
Mais il a fallu que je gravisse des montagnes pour réussir à mettre cette formation en ligne. Parce que voilà, on ne se rend pas du tout compte quand on est de l'autre côté, mais en fait, c'était un travail énorme. Donc voilà, apprendre à faire connaître tout mon travail, c'est encore une autre partie. Alors, ce n'est pas la plus sympa. Le marketing, l'informatique, ce n'est pas ce qui m'éclate le plus, mais je sais que c'est nécessaire pour faire connaître ce que je fais. Donc voilà. Et je dis tout le temps que l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Et là, j'ai vraiment été enthousiaste pour réussir à résoudre tous ces problèmes informatiques pour qu'elles soient en ligne. Ok, bah très bien. Alors bah, là, j'ai vraiment envie de rentrer vraiment dans le dur, là justement, donc avec l'enseignement Montessori. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, ça va être d'abord en fait pour les professeurs. Quand ils ont, donc tu nous as dit, voilà, quand ils découvrent ce matériel, voilà, ils sont émerveillés, quoi. C'est ça. Ils sont vraiment émerveillés. Qu'est-ce que cela rapporte en fait, voilà, d'utiliser ce matériel dans l'encadrement de l'éducation nationale aujourd'hui? Ouais, tu veux dire quels avantages ils auraient à utiliser ce matériel? Ouais, ben, ils ne savent même pas ils auraient, c'est ce qu'ils ont, puisque tu as déjà formé, voilà, c'est tout simplement qu'ils ont. Voilà. Ouais. Pourquoi ils utiliseraient ce matériel plutôt que de travailler comme ils le font actuellement? Ouais, exactement, ouais. Eh ben, parce que les enfants vont pouvoir développer vraiment des savoir-faire solides. Et en fait, quand on fait les choses de manière abstraite, il y a plein d'enfants qui ne sont pas prêts pour l'abstraction. Quand on commence, alors il y a un petit peu de manipulation, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais plus l'enfant va grandir et moins il y en aura. Et en fait, les enfants ont besoin de manipuler pour comprendre. Tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. J'accompagnais l'année dernière une petite qui était en CM2 et qui avait du mal avec les fractions. Et voilà, un quart, un tiers, un demi, ça lui parlait, mais vraiment pas du tout. À l'école, elle ne comprenait pas. Donc, il y a un matériel hein, qui existe avec des disques partagés, en fait. Hein, et c'est donc un matériel métallique, rouge et vert. Et en fait, quand l'enfant manipule ce matériel, ça va être concret. Il va comprendre que c'est un demi. Et il va voir, on va enlever un demi du support et on va pouvoir mettre deux quarts dedans. Parce que deux quarts, ça va tenir, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, en fait, là, elle est en sixième maintenant. Elle est revenue me voir un petit coup il y a quelques mois. Parce qu'en fait, voilà, plus les apprentissages avancent dans la scolarité, plus ça va être abstrait. Quand tu penses à, moi, au collège, par exemple, A plus B au carré, j'avais appris mon truc par cœur, hein, A carré plus 2AB plus B carré. Paf, je l'avais appris par cœur, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et bien là, avec la table de Pythagore, sensorielle, donc voilà, je te montrerai peut-être une photo, peut-être qu'on pourrait rajouter une photo où les gens peuvent Alors, ce que regarder je la table ferai, de alors, Pythagore ce que comme ça. je, ce, pareil, les liens, je mettrai les liens parce que justement, voilà, je trouve que c'est intéressant, voilà, que tu parles de ce genre de matériel. Puis quand on ne connaît pas, c'est bien d'avoir sous les yeux pour voir de quoi il s'agit. Ben, la table de Pythagore sensorielle, si tu veux, ils vont le faire entre 3 et 5 ans, ou 3 et 6 ans, c'est un matériel sensoriel. Et plus tard, donc beaucoup plus tard, hein, vers, je ne sais pas, 11, 12, 13 ans, on va réutiliser ce matériel pour comprendre justement ce que c'est ce A plus B au carré. Et puis on va même s'amuser, A plus B plus C au carré, A plus B plus C plus D au carré. Et en fait, on ne va pas limiter les enfants parce qu'après, ils vont s'amuser à aller le plus loin possible. Tu vois? Mais du coup, il y a beaucoup de matériel sensoriel, ça va être pareil avec le cube du binôme, A plus B, c'est ça, A plus B au cube. Si tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, tu ne comprends pas ce que ça veut dire A plus B au cube. Là, je ne peux même pas te ressortir la formule comme ça du tac au tac. Mais quand j'avais ce cube du binôme dans la main et que j'ai fait A plus B au cube, mais je me suis dit, ah mais ouais, c'est ça! Et puis après, avec le cube du trinôme, on va faire A plus B plus C au cube. Et en fait, les mathématiques deviennent passionnantes, alors que moi, au collège, je n'aimais pas ça, j'appliquais des formules sans comprendre ce que je faisais, tu vois. Et il y a beaucoup d'enseignants qui disent « je suis nul en maths ». Mais en fait, ce n'est pas qu'ils sont nuls en maths, enfin, pas d'enseignants, d'adultes, il y a beaucoup d'adultes qui disent « je suis nul en maths ». Mais en fait, c'est qu'ils ont eu un mauvais souvenir, ils ont une émotion désagréable, face aux mathématiques. Et du coup, ils font un lien entre l'apprentissage et l'émotion en disant je suis nul. Mais non, c'est juste que ça a été désagréable, quoi. Et en fait, ça ne devrait pas être désagréable. Parce que ce matériel très concret va vraiment permettre de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Ah non, Donc mais pourquoi ils devraient l'utiliser? Ben parce que voilà, ça aide ça aide tellement à structurer les choses. Et voilà, c'est.
Mais ouais, en fait, ça me fait penser, mais justement, bah, on en parlait tout début, mais voilà, de Sydney Alvarez, justement. Et je me souviens de ce reportage, justement, où tu avais des enfants qui étaient capables de faire des divisions à 4, 5 chiffres. Et ouais, Et ben, c'était tu vois, trop. cet exemple-là, en fait, la progression est vraiment très bah, progressive, hein, c'est un peu, voilà. Ça va vraiment tout en douceur et une seule difficulté à la fois. Voilà, on ne va jamais en rajouter deux ou trois, c'est vraiment une seule difficulté à la fois. Le matériel aussi est autocorrectif. Donc quand l'enfant se trompe, il n'y a pas besoin, il s'en rend compte en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'un adulte pour dire oh là là, tu t'es trompé, donc le statut de l'erreur n'est pas du tout le même. L'erreur, elle est indispensable pour apprendre, en fait. On se trompe, on se rend compte tout de suite qu'on se trompe, et là on se dit, le cerveau, il réajuste. Ah oui, je me suis trompé, il réajuste. Si tu fais une évaluation et que l'enseignant te rend ta feuille un jour ou deux plus tard, tu sais plus pourquoi tu t'étais trompé, ça n'a plus de sens, c'est fichu. Alors que là, tout de suite, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Et tu vois, les perles, avec les enfants de 5, 4, 5 ans que j'accueille, en fait, dès que les enfants maîtrisent de 1 à 10, voilà, donc il y a plusieurs matériels, voilà, pour qu'ils maîtrisent les nombres de 1 à 10, on va partir dans les grands nombres. Donc en fait, il va y avoir l'unité, la dizaine, la centaine et le millier. Voilà. Et ils vont voir que dans une dizaine, il y a 10 unités, que dans une centaine, il y a 10 dizaines, et que dans un millier, il y a 10 centaines. Et ça, tu leur demandes en CE2 combien tu as de dizaines dans un millier, je peux te dire qu'ils vont mettre longtemps avant de te répondre, en CM2. Hein. Et d'ailleurs, j'en faisais partie. Hein. Et là, en fait, les enfants ont tellement manipulé ce matériel qu'ils se posent même plus de questions, en fait. Unité, dizaine, centaine, millier, c'est super clair. Au début, on ne va pas dire 60, on va dire une dizaine, deux dizaines, trois, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines. Parce que retenir 60, 70, 80, 90, ils en bavent les enfants. Mais au début, non, on va dire sept dizaines, une seule difficulté à la fois. Et quand ils vont avoir bien fait plein d'additions, de soustractions, de multiplications et de divisions avec ces perles, ensuite, on va passer aux symboles. Donc symboles, les nombres écrits, quoi. Avec un tableau, les étiquettes de 1 à 9, de 10 à 90, de 100 à 900 et de 1000 à 9000. Et en fait, ils vont maîtriser les nombres jusqu'à 9999 à 4-5 ans. Parce qu'ils peuvent le faire. En fait, on sous-estime les capacités des enfants. Et c'est vraiment dramatique de sous-estimer leurs capacités. Parce qu'après, voilà, ils vont perdre leur plaisir d'apprendre, ils vont se dire je suis nul. Alors qu'en fait, ils ont du potentiel. C'est nous, les adultes, qui ne mettons pas les choses en place pour que chaque enfant développe ce potentiel. Et voilà, en fait, à un moment donné, tu parlais voilà de concepts abstraits, pas abstraits. Et je me souviens, enfin, moi j'ai fait des études infirmières, donc après, bon, je travaille en tant qu'aide-soignant, mais bon, voilà, j'ai fait voilà, je me souviens voilà que normalement, tout ce qui concerne l'abstrait, en fait, ça vient seulement vers l'âge de 11-12 ans. Voilà, les concepts abstraits au niveau du développement de l'enfant, ça vient que vers 11-12 ans. Donc, je crois que c'est ça. Mais là, ce qui est impressionnant, enfin là, ce qui est top, c'est que tu me dis que finalement, on peut leur faire apprendre des concepts abstraits avec des choses super concrètes. Ben c'est ça, il faut passer par le concret avant d'arriver à l'abstraction, en fait. Ah non, mais c'est super parlant là, ce que tu dis. Alors moi, justement, moi, c'est la question qui suit derrière, c'est finalement, ben, comment cette pédagogie Montessori ben, favorise le développement de la créativité chez les enfants. Alors là, j'ai pas tous les noms en tête, mais ça vaudrait le coup de rechercher. J'avais vu un article un jour, le patron d'Amazon, Bezos. Jeff Bezos. Ah, attends, le nom vient de partir alors que je l'avais. En plus, j'ai regardé un reportage de lui il n'y a pas longtemps. En fait, il y a plein de personnes hyper célèbres là. Mince, comment il s'appelle? Ah zut, j'espère que ça va me revenir plus tard. Je te le redirai plus tard dans l'interview si je me rappelle. Mais en tout cas, il y a plein de personnes voilà, hyper connues qui ont été dans des écoles Montessori. Donc, si tu veux, la pédagogie Montessori, elle va vraiment développer la créativité de l'enfant, puisqu'on va lui laisser déjà la possibilité d'être créatif, tu vois. Alors souvent, il y a des reproches. Ah, je cherche le nom en même temps, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Il y a des gens qui font des reproches en disant y a pas, on développe, enfin, il n'y a pas assez d'activités artistiques, tu vois, peinture, tout ça, dans les classes Montessori 3-6. Alors,
ça peut, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. En général, il n'y a qu'une petite table ou avec du matériel. Voilà. Du coup, moi, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris toute une étagère avec plein de plateaux où j'ai mis des différents outils, des craies, de la peinture, des pochoirs, enfin plein de choses différentes pour justement développer cette créativité un peu artistique quand ils sont petits. Mais en fait, ils vont pouvoir développer leur créativité. Parce que quand ils vont grand. Alors, souvent, les enfants de 3 à 6 ans, ils vont avoir envie de travailler un peu tout seuls. Ils sont encore un peu centrés sur eux-mêmes. Les enfants de 3, 4 ans, puis 5, 6 ans, ils vont commencer un peu à s'ouvrir aux autres. Et dans les classes 6, 12, ils vont beaucoup travailler ensemble, en fait. Et ils vont se lancer des projets. Ils vont avoir. Voilà, une idée va arriver, et puis paf, il y a 3, 4 enfants qui vont, ils vont coopérer pour aller pour explorer cette idée. Et donc, du coup, c'est là où leur créativité, elle va pouvoir s'exercer. Au Festival de l'École de la Vie au mois de septembre, là, j'ai interviewé Caroline Sost, et elle racontait aussi pendant sa conférence des enfants de CE2, CM1, CM2 qui s'étaient lancés le défi d'aider sans domicile fixe, une personne SDF, qui était dans la rue. Et voilà, ils se sont dit, bah, comment on va l'aider? De quoi il a besoin? Ça pourrait être sympa s'il pouvait écouter la musique ou les infos, donc on va lui acheter une petite radio. Bah oui, mais une radio, mais il est dans la rue, il n'a pas d'électricité, comment on va faire? Et tu vois, en fait, le projet, il va naître des enfants. C'est pas l'adulte qui va arriver un matin en disant ça serait pas mal qu'on aide cette personne. On laisse cette place aux enfants, et s'ils ont envie, je sais pas moi, de sauver une espèce en voie de disparition ou d'aider une personne en difficulté, et ben en fait voilà, ils pourront avoir des projets comme ça. Ou s'ils ont envie d'aller visiter, par exemple, je ne sais pas moi, Benoît Dubuc, dans l'interview, avait pris l'exemple d'enfants qui avaient envie d'aller visiter une école de mode, je crois, des petites filles là, qui étaient passionnées par la mode. Et donc, du coup, elles ont pris contact avec une personne pour aller visiter, je sais pas cette entreprise, je sais pas comment on dit, pour aller visiter et avoir plein d'infos. Et en fait, si tu veux, tiens, pour reprendre l'exemple de l'école ordinaire, c'est l'enseignant qui va dire, cette année, on va aller visiter ça. Voilà, on y va, c'est parti, on y va à telle date, vous n'avez plus qu'à suivre. Alors que là, pas du tout. C'est les enfants qui vont créer leur sortie, en fait. Donc, il va falloir qu'ils prennent contact avec les gens, qu'ils choisissent la date, savoir qu'est-ce qu'on lui dit au téléphone, par quel chemin on passe, on y va comment? En bus, à pied, en train, alors il faut qu'on s'organise. Et là, ils vont développer plein de compétences en même temps, tu vois, pour... Donc, ce sont les enfants qui font toute cette démarche, on va dire, d'organiser, en fait, leur propre sortie. C'est ça. Et la sortie, c'est eux qui l'ont décidé parce que ça répond à un de leurs intérêts, tu vois, en plus. Et à la fin, voilà, une fois que la visite est terminée, bon, ben, on écrit un petit courrier pour remercier la personne de nous avoir accueillis. Ah oui, mais attends, là, on lui écrit le courrier, mais là, regarde, là, je suis pas sûre qu'elle arrive à te relire. Tu crois que ça s'écrit comme ça, ce mot-là? Et là, on fait de l'orthographe, mais pas juste parce qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre et qu'on va apprendre le son O, O, A, U, E, A, U. Non, là, on a écrit un mot dans la vraie vie, ça a du sens. Ok, mais là, tu vois, on ne peut pas lui envoyer le courrier comme ça, c'est un peu embêtant. Est-ce que tu pourrais aller chercher l'orthographe de ce mot pour être sûr qu'elle arrive à comprendre le message qu'on veut lui envoyer? Tu vois, en fait, c'est redonner du sens aux apprentissages. Et du coup, la créativité, eh ben, on laisse la place à la créativité parce que du coup, l'enfant, il peut déjà changer le monde du haut de ses 5 ans. Non, parce que là, en plus, ce qui est bien, c'est que ça va plus loin en plus que la créativité. C'est que non seulement il y a la créativité, il y a du sens, mais il y a également de la responsabilité aussi. Tu leur apprends aussi le sens de la responsabilité. C'est ça. C'est assez impressionnant, en fait. Juste, en fait, sur... Ben, ils proposent une activité, et puis surtout, ben, ils s'organisent pour aller voir, ben, pour atteindre, on va dire, cette activité, pour voilà, atteindre cet objectif. Et finalement, il y a plein de notions, voilà, il y a plein de compétences clés, de soft skills, on pourrait dire, bah, qu'ils vont mettre en jeu, en fait, et très tôt. Ça ressemble beaucoup, en fait, finalement. Enfin, bon, je suis coach, hein, de formation, et c'est vrai que cette pédagogie-là ressemble beaucoup au coaching. Hein, donc, Voilà, on va vraiment laisser la place aux enfants. Ils sont vraiment acteurs de leurs apprentissages, quoi. C'est pas, on ne remplit pas un vase vide, quoi. Voilà. Je suis toujours en train de chercher le nom de... Je vois que ça travaille. Hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Il y a aussi Steve Jobs aussi, je crois, hein, qu'il était en école Montessori. Mais voilà, bon, je n'arrive plus à me rappeler des noms, c'est pas grave. Vous pourrez, voilà, les auditeurs pourront taper et ils verront que, en tout cas, des personnes qui ont créé plein de choses un peu, voilà,
novatrices. Voilà, en sont sortis des écoles Montessori. Ouais, alors moi juste en plus une petite anecdote par rapport à Steve Jobs. Je sais qu'il avait interdit en fait tous ses produits Apple, tout ce qu'il avait conçu. Je sais que c'est quelque chose qu'il avait interdit à ses enfants. Je crois jusqu'à un âge très tardif, il avait dit non, non, vous ne touchez pas à ça. Donc c'était assez marrant. Donc voilà, je me rappelais de cette anecdote. Alors moi ensuite là, donc on a beaucoup parlé de l'école Montessori. Mais bon, voilà, pour l'instant, ce n'est pas la majorité, voilà, ce n'est pas l'éducation, enfin voilà, c'est pas ce que reçoivent l'éducation de nos enfants. Est-ce que, en fait, comment aujourd'hui, toi, tu vois l'éducation nationale? Comment tu l'aperçois aujourd'hui? Ah, elle est pas facile cette question. Ah, de toute façon, moi, je suis pas là pour poser les questions faciles. Ben, alors, ça dépend des jours. On va dire qu'il y a des jours où je me dis, mais en fait, les choses ne bougeront jamais. Ben, c'est pas possible. En fait, ils n'ont pas envie que ça bouge. Ils ont envie de former des moutons et ça ne bougera pas. Donc ça, c'est les jours où je suis un peu pessimiste. Et les jours où je suis optimiste, je me dis, ça va être long. Voilà, on entend souvent parler du mammouth de l'éducation nationale. Et je me dis, voilà, ça va être long, mais il y a quand même plein, plein d'initiatives qui se développent. Et en fait, voilà, toutes ces personnes qui essayent vraiment de faire bouger les choses, ben, c'est sûr que ça reste des petites initiatives. Mais voilà, des fois, j'ai confiance et je me dis, ça va finir par évoluer, quoi. Oui, parce que justement, c'est le bon. Voilà, il y a des porte-paroles comme Céline Alvarez, voilà, qui font un boulot, mais justement, bah, de faire savoir. Tu en parlais de faire savoir, tu vois, de marketing. Voilà, il fait tout pour populariser, voilà, ce genre, on va dire, de philosophie d'enseignement. Mais moi, ouais, c'est vrai que la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que finalement il ne va pas y avoir en fait la cohabitation de deux mondes, à savoir, ben, pour l'instant, le monde en fait de l'éducation nationale, et puis en fait le monde, ben, des gens comme toi, comme Céline Alvarez, qui vont avoir leurs petites initiatives et qui vont créer finalement, ben, des écoles alternatives. Ouais. Bah, moi justement, tout à l'heure je t'ai dit que je te redirais pourquoi je suis contente de ne pas avoir réussi à ouvrir mon école alternative. C'est parce qu'en fait, c'est sûr que ça aurait été. C'est bien, il en faut des écoles alternatives. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte du débat public-privé. Quand je dis public-privé, privé hors contrat. Hein. Je vais être privé sous contrat avec le public. Il faut qu'on sorte de ce débat public-privé parce qu'en fait, on a tous les mêmes intentions. C'est que les enfants soient, voilà, puissent s'épanouir au niveau affectif, voilà, au niveau affectif, au niveau cognitif, on a tous les mêmes envies, je pense. Donc en fait, il y a des écoles alternatives, c'est très bien, mais il y a l'école publique où la majorité des enfants sont. D'accord, mais maintenant, il faut trouver des solutions pour que tous les enfants en profitent. Et j'ai perdu mon idée en route, mais j'en ai une autre qui arrive. En fait, tu vois, moi j'ai deux filles. Pendant 3 ans, donc 3 ans pour l'une et 2 ans pour l'autre, on a fait l'école à la maison parce que justement, je ne trouvais pas d'école. Parce que le souci, c'est quand t'es parent et que c'est ton métier en fait, et que t'es tellement passionné comme moi par tout ça, eh ben, c'est difficile de se contenter d'une école publique où la bienveillance n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, du coup, voilà, enfin, je disais que j'avais besoin d'être en accord avec mes valeurs, et là, en fait, ben, ça me convient pas. Donc, ça fait des années, ça fait 6 ans que je rêve de pouvoir les inscrire dans une école Montessori, mais je n'y arrive pas parce que financièrement, c'est pas possible. En moyenne, ça dépend des régions, mais voilà, on va dire, on est à peu près à 500 € par mois par enfant. Alors, parce que ce sont des écoles hors contrat, donc pas financées par l'État. L'État ne paye rien, ni le loyer, ni les salaires, ni l'eau, ni l'électricité, enfin rien. Donc forcément, pour qu'il reste un petit salaire à l'éducatrice ou à l'enseignante, ben voilà, ça, on est obligé de demander 500 € par mois par enfant. Donc tant que l'État ne financera pas ces écoles, on ne pourra pas sortir de cette impasse. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je suis contente, ça y est, je retrouve, je suis contente de ne pas avoir ouvert cette école hors contrat et du coup de prendre toute mon énergie pour que cette pédagogie rentre dans les écoles publiques et privées sous contrat, parce qu'en fait, la majorité des enfants sont là, en fait, et la majorité des familles n'ont pas les moyens de payer 500 € par mois par enfant. Donc en fait, au début, j'hésitais, tu vois, voilà, il me fallait quelques années pour vraiment trouver un sens à tout ça. Et là, maintenant, j'ai trouvé. Voilà, je sais. Et par cette formation en ligne, voilà, j'espère que cette formation en ligne me permettra d'atteindre cet objectif. C'est que tous les enfants, en fait, des écoles publiques et privées sous contrat puissent en profiter. Enfin, pas tous, mais le maximum possible. Donc, moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Il y a des écoles, voilà, alternatives qui s'ouvrent. Voilà, certains peuvent en profiter. Mais les enfants qui en ont plus besoin,
C'est les enfants des familles qui n'ont pas 500 euros par mois, des enfants à qui on ne lit pas d'histoire le soir, des enfants qu'on n'emmène pas faire des sorties, qu'on n'emmène pas dans la forêt, qu'on n'emmène pas au musée. C'est ces enfants-là qu'on a le plus besoin. Donc il faut absolument que cette pédagogie rentre dans les écoles de l'éducation nationale. Alors après, c'est vrai que moi, souvent, je sais pas si c'est une excuse, la croyance, mais en tout cas, le retour qu'on me faisait, parce que bon, moi, voilà, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je vois, on va dire, les ravages, on va dire, de l'éducation nationale et surtout l'abaissement du niveau, on va dire, culture générale et intellectuelle au niveau des élèves. Et bon, déjà, moi, voilà, déjà à mon époque, je suis pas un vieux, hein, on disait déjà, non, mais avant, les épreuves étaient beaucoup plus difficiles. Et quand tu regardes les bouquins, tu dis, ouais, en effet, ça rigolait pas. Mais même là, moi aujourd'hui, je vois les épreuves d'aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'il en est? Donc, la question que j'avais envie de te poser, c'est, quels sont, on va dire, les élèves qui font une école Montessori, en fait, comment ils s'en sortent après dans la suite de la scolarisation? Alors, comment ils s'en sortent? Ah, tu veux dire quand ils vont retourner dans un collège ordinaire, par exemple, quand ça s'arrête vraiment? Exactement, voilà, exactement. Par exemple, tes enfants qui sont formés, par exemple, de manière Montessori, en tout cas avec une philosophie Montessori, en tout cas une éducation alternative, quand ils reviennent dans le parcours traditionnel, parce que peut-être qu'il existe des parcours où tu peux aller, voilà, de la petite enfance jusqu'au lycée en Montessori, Et c'est en fait, il possible. y a très peu de lycées et très peu de collèges. Il y en a Ouais. quelques-uns en France, mais la majorité, ça va être des écoles maternelles. Enfin, la majorité, ça va être des écoles maternelles et élémentaires, donc jusqu'à la fin du CM2, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc Donc, après, voilà, il y a très peu de collèges et de lycées. Et donc forcément, la plupart des enfants retournent dans le système classique. c'est Donc ça. là, c'est la grosse crainte des parents. Mon Dieu, comment elle va faire pour se réadapter? Et en fait, alors je comprends hein, cette peur est fondée, mais alors moi j'ai pas, je peux juste te raconter des témoignages que j'ai entendus, vu que j'ai pas accompagné dans Très une classe bien. Non, mais CM2. c'est Voilà. ce que je voilà. Voilà, mais j'en ai discuté avec plusieurs éducateurs Montessori, et en fait, ces enfants-là ont acquis tellement de la confiance en eux, l'estime de soi, l'autonomie, la responsabilité, le plaisir d'apprendre, l'enthousiasme, la motivation, que forcément c'est un choc quand ils arrivent au collège puisque ça ne fonctionne plus du tout pareil. Il n'y a plus cette bienveillance, il n'y a plus tout ça. Mais en fait, ils sont armés. Alors, j'aime pas le mot armé, mais on va dire qu'ils sont équipés pour y faire face. Donc forcément, c'est une transition hein, qui peut bien se passer ou qui peut être un peu plus difficile selon la sensibilité des enfants. Mais pour moi, tu ne peux pas te dire, alors non, j'ai pas de solution au collège, donc je fais rien de 3 à 11. Parce que de 3 à 11, c'est tellement énorme, fondamental, cette période, que tu ne peux pas te dire, bah non, ça vaut pas le coup. Pour moi, c'est tout ce qui est pris est pris, et voilà, c'est. Voilà. Bah de toute façon, enfin, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie et bon, pas forcément au niveau de l'éducation, mais de toute façon, tout ce qui a été appris justement entre 0 et l'âge de 11 ans, c'est des choses après qui restent pour toute la vie. Ouais. Donc ils auront des savoir-faire solides aussi, j'ai pas dit. Hein. Savoir-faire solide, forcément, ils vont s'ennuyer un peu quand ils vont arriver en sixième, hein, parce que voilà. Et tu parlais tout à l'heure des programmes, enfin des choses qu'on demande aux enfants qui sont de moins en moins élevés. Moi, je vois un autre problème à ça. Alors, pour les enfants qui sont en difficulté, forcément, voilà, c'est important de leur proposer des choses adaptées. Mais en fait, le problème, c'est qu'on tire un peu vers le bas. Et les enfants au potentiel, par exemple, en fait, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être nourris, ils ne supportent pas la répétition. Et donc, du coup, quand ils se retrouvent, ben, je peux le dire, hein, je peux donner l'exemple de ma fille aînée, qui là, après 3 ans d'école à la maison, se retrouve dans une école de CM1, une classe de CM1 en école publique, en fait, avec des enfants quand même en grosse difficulté dans la classe, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ennuie. Ben, elle s'ennuie, elle est capable de faire le A plus B au carré, le A plus B au cube, donc si tu veux, parce qu'on a le matériel, avec le matériel évidemment, on ne passe pas comme ça à l'abstraction, on ne passe pas à l'abstraction directement. Mais du coup, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, avec les programmes, on fait tous la même chose en même temps, nanana, ne peut pas vraiment s'adapter à ces enfants-là. Et forcément, on va aider les enfants en plus en difficulté, ce que je comprends, mais ces enfants-là, ils se retrouvent vite en souffrance, tu vois? Et ils ont besoin d'apprendre. On peut pas, on doit leur proposer des choses adaptées pour qu'ils puissent continuer de s'épanouir. Et voilà, ça c'est un des gros soucis. L'école telle qu'elle est fondée aujourd'hui ne peut pas s'adapter à tous les enfants. Ben oui, en fait, c'est
Alors c'est marrant, je vais avoir une métaphore un peu bizarre, mais disons que l'école, en fait, c'est vraiment un moule, donc c'est un système égalitaire. Alors le problème, c'est que, et ça va beaucoup plus loin, mais l'égalité n'existe pas. Et ça, faut bien le comprendre, c'est que l'égalité n'existe pas. C'est parce que, voilà, tu es plus doué que moi dans un domaine, et moi, et vice-versa. C'est pour ça, voilà, qu'on travaille ensemble. Parce que voilà, je sais que Céline, elle est super douée en pédagogie et bon, moi je suis un peu plus doué par exemple pour raconter des conneries en podcast. Ben voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et l'égalité n'existe pas. Et je crois que voilà, le problème de l'école, c'est que on pense que tout le monde est sur un même pied d'égalité, alors que pas du tout. Voilà, alors que pas du tout. Il y a une image qui illustre bien aussi ce que tu dis, je ne sais pas si tu as déjà vu, et si des auditeurs l'ont déjà vu. On voit plusieurs animaux, je crois qu'il y a un singe, un éléphant et d'autres animaux, et on dit, je crois que c'était à l'éléphant, voilà, c'est comme si on demandait à l'éléphant de grimper à un arbre. Ben non, il ne peut pas, quoi. Voilà, le singe, il va grimper très vite, et voilà, il n'aura pas de problème, et l'éléphant, il ne peut pas. Et du coup, voilà, on peut pas, c'est plus possible de demander, d'exiger des enfants la même chose en même temps. Voilà. Et comme tu dis, la coopération dans la vie quand on est adulte, bah voilà, on coopère. Il y en a un qui va être plus passionné par quelque chose, il va pouvoir le transmettre aux autres. Et ça, dans les classes 6-12, voilà, ils travaillent. Enfin, en tout cas, on donne la possibilité à l'enfant, voilà, s'il est passionné, moi je ne sais pas, peu importe, de musique ou d'autre chose, bah, il va pouvoir amener cette passion dans l'école. Il va pouvoir contaminer, entre guillemets, d'autres enfants. Tu vois? Voilà. Ouais, Chose. bah écoute. Non, non, bah écoute, très bien, très très bien. Et écoute, on va passer à ce que j'appelle la partie créativité, mais cette fois qui va être plus te concerner toi. Et voilà, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, au départ, tu te considères comme quelqu'un de créative? Alors, je pense que ça fait au départ pas du tout. Au début, je me disais, non mais voilà, je suis vraiment nulle. Enfin voilà, mon estime de soi était vraiment pas bonne à cause des années de collège et de lycée. Tu vois, je pense que ça m'a mis un coup. Et puis je me disais, non, je suis pas du tout créative parce qu'en fait, je chante faux. Au concours de professeur des écoles, on m'a dit, prends plutôt art plastique hein, plutôt que chant. Donc voilà, tu vois, ça a rajouté un coup. Je chante faux, je dessine pas très bien, enfin ou très mal même. Même si j'ai pas de modèle, voilà, je sais pas dessiner. Et pour moi, la créativité, c'était que le côté artistique. Voilà, je ne jouais pas d'un instrument, je chantais pas bien et je ne savais pas dessiner ni peindre. Donc en fait, je me disais, je suis pas du tout créative. Et en fait, j'ai commencé à comprendre il y a quelques années bah, que la créativité, c'était pas que ça. Il y avait vraiment toute une autre partie. Et en fait, finalement, je me rends compte que je suis quand même très créative parce que là, dans mon travail actuellement, j'ai pas un, enfin. Je suis mon propre, enfin, je suis responsable de moi-même en fait. J'ai personne qui va me dire, voilà, alors aujourd'hui tu dois aller à telle réunion, aujourd'hui tu dois travailler sur tel dossier. En fait, c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui gère mes projets, je gère, enfin, voilà. Et c'est là où je me rends compte quand même que je suis assez créative parce que j'ai mis plein de choses en place. Et souvent j'ai plein d'idées à la fois. D'ailleurs, des fois j'en ai trois qui arrivent en même temps, donc vite je les note pour pas en oublier une en route. Bon, déjà quand j'ai trouvé ce statut d'assistante maternelle pour réussir à faire ce que je voulais, bah, je pense que j'ai fait preuve de créativité. Et puis voilà, vraiment dans ma vie de tous les jours maintenant, je vais, voilà, je pense que je me fais plus confiance. Et si je suis face à un problème, voilà, je vais me dire, alors attends, comment je pourrais le résoudre, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. La CNV, on n'en a pas parlé, mais la communication non violente, voilà, je me forme depuis. L'année dernière, un peu plus même, enfin bref, j'ai 8 jours de CNV derrière moi. Alors c'est rien du tout, hein, 8 jours hein, pour effacer tout ce que j'ai vécu avant. Mais en fait, voilà, je peux parler un peu 5 minutes de la CNV? Bien sûr, ça tombe bien parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est la CNV. Donc, vas-y, dis ce qu'est la CNV. Alors, CNV, c'est l'abréviation de communication non violente. C'est Marshall Rosenberg, voilà, qui en a parlé pendant toute sa vie. Il s'est appuyé sur les travaux de Carl Rogers. Et en fait, c'est
avoir une qualité de relation à soi et aux autres. Pour résumer, c'est ça. C'est la qualité de relation à soi et aux autres. Et moi, quand je suis arrivée en formation, premier week-end, j'y allais pour mieux communiquer avec les gens, en me disant, des fois, je suis pas hyper forte, je pourrais voilà, mieux communiquer. Et en fait, j'ai compris que déjà, avant de vouloir mieux communiquer avec les autres, il fallait déjà apprendre à se connaître soi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à ça quand je disais comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Je pense que c'est la base, en fait. Donc, du coup, je rebondis encore. Je suis désolée, je pars dans tous les sens. Dans les écoles, en fait, on est focalisé sur des savoir-faire. Savoir écrire, savoir lire, savoir compter. Et les savoir-être, on les met complètement de côté. Enfin, vraiment, en tout cas, ça doit faire partie, c'est pas, ça doit, on ne doit pas rajouter ça au programme existant, les compétences, développer ces compétences socio-émotionnelles. Ça doit faire partie du programme, en fait. L'empathie, la coopération, savoir dire ce qu'on ressent, tu vois, ça c'est vraiment, ça fait partie de la vie. Dans la vie, tu vois, tu as autant besoin de savoir communiquer que de savoir lire. Voilà. Donc c'est pour ça que la CNV, pour moi, c'est une des clés, en fait, pour les enseignants, mais pour tous les adultes, en fait, pour tout le monde. C'est vraiment une des clés indispensables. Là, dans la formation en ligne que j'ai préparée, je ne savais pas trop comment l'appeler parce que, en fait, voilà, je voulais pas mettre le mot neurosciences en avant parce qu'un jour, je me suis fait allumer sur un groupe Facebook. Tu n'es pas docteur en neurosciences. Oui, d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Mais j'ai la passion, voilà, et j'ai appris énormément de choses. Et comme aujourd'hui, les neurosciences confirment quand même ce que Maria Montessori disait à l'époque, je veux dire, en France, on a quand même besoin de preuves scientifiques pour dire, ah oui, c'est vrai, ça marche, ah oui, on ne se trompe pas. Donc du coup, dans cette formation, j'ai toute la partie Montessori, j'ai toute la partie neurosciences affectives et sociales et la partie neurosciences cognitives. Ok, je ne suis pas docteur en neurosciences, mais je pense que de mettre ces neurosciences à la lumière enfin, que toutes ces découvertes scientifiques actuelles, c'est important de les mettre à la lumière de ce que Maria Montessori disait, en fait. Voilà. Donc, pourquoi? Attends, je suis partie un peu loin par rapport à la question. C'est pas grave, moi je prends. Voilà, donc pour moi la CNV, comment j'exerce la créativité au quotidien, ben voilà, j'apprends aussi à me connaître et savoir dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin, ben ça m'aide, voilà, ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours et pour moi c'est quand même, enfin, la créativité, ça c'est relié quoi, enfin c'est tout va ensemble. Bah justement, c'est la question qui arrive juste après, c'était. Pour toi, c'est quoi la créativité? Ben, c'est savoir rebondir. Enfin, pour moi, c'est rebondir à des situations sur des. Enfin, ouais, rebondir quand la situation ne nous convient pas pour voilà, pour pouvoir avoir une vie qui correspond à nos valeurs. Voilà. Je sais pas. C'est. J'ai pas réfléchi à une définition avant l'interview, mais ouais, je Ça me pense que c'est. convient. Ouais, c'est vraiment être créatif et savoir rebondir. Moi, je vois ça comme savoir rebondir. Parce que dans la vie, il y a forcément des difficultés. Voilà. Et je pense que la connaissance de soi est vraiment, vraiment indispensable, en fait. J'ai écrit une phrase hier sur le groupe Facebook, là. Alors, j'aurais du mal à te la ressortir comme ça. Mais en fait, j'ai publié justement une vidéo de Caroline Sost. Non, je ne vais pas la chercher, je vais essayer de me rappeler. En fait, je disais, parce qu'en fait, je suis convaincue qu'on doit transmettre aux enfants, enfin les aider dans leur connaissance de soi, des émotions. Je suis convaincue qu'on doit leur laisser le droit à l'erreur, qu'on doit développer la coopération, tout ça. Mais en fait, si tu veux, je commence à comprendre que pour encourager le droit à l'erreur, ben, il faut déjà qu'on accepte, enfin se dire que moi aussi j'ai droit à l'erreur. En fait, pas juste j'accepte vos erreurs, vous les enfants, parce que je sais que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. C'est aussi ben, j'accepte vraiment mes erreurs, pas juste je le dis, je le pense vraiment. Ou alors, j'avais utilisé un autre exemple, l'estime de soi. Voilà, comment permettre aux enfants d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes si nous, la nôtre n'est pas bonne, en fait. Ben, c'est pas possible, ça va pas. Donc en fait, je trouve que quand on travaille avec des enfants et qu'on veut leur apporter tout ça, ça demande un travail sur soi en fait qui est hyper important en fait, c'est la base quoi. Voilà. On peut juste avoir des belles théories et dire alors je veux que tu aies confiance en toi, oui tu peux aller aux toilettes sans me demander la permission, tu me préviens juste, pourquoi tu me demanderais l'autorisation? Moi je ne te la demande pas, donc préviens-moi quand tu y vas, que je sache où tu es. Voilà. On peut avoir des beaux discours.
Et enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a deux, il y a trois choses. Il y a soit on n'est pas au courant du tout de tout ça, et voilà, on travaille de manière ordinaire parce que on ne sait même pas que c'est possible de faire autrement et que ça existe. Soit on a envie de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, mais on ne croit pas vraiment au nôtre. Et après, l'étape d'après, c'est je fais un travail sur moi. Et oui, moi aussi j'ai du potentiel, moi aussi j'ai droit à l'erreur. Je travaille sur mon estime de moi pour après pouvoir travailler avec les enfants. Parce qu'ils nous imitent énormément. Et en fait, si moi j'autorise leur erreur et puis qu'après moi j'en fais une ou je sais pas, je lâche quelque chose et que je dis oh bah, je suis vraiment bête. D'ailleurs, ma fille m'a pas loupé la dernière fois quand j'ai dit oh je suis bête, elle a fait non, tu n'es pas bête, tu fais des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc tu vois, c'est des enfants nous imitent, donc en fait, il faut pas juste c'est pas juste des paroles à avoir, c'est il faut faire ce travail sur soi pour incarner tout ça quoi, en fait. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est enfin tu as très bien dit, de toute façon les enfants apprennent par mimétisme. Et le plus souvent, alors j'en parlais en plus il n'y a pas longtemps avec le camarade Arnaud, donc si tu entends cette interview, ben, je te passe le bonjour. Et voilà, on parlait voilà des choses qu'il voulait hein, transmettre à ses enfants. Et on était d'accord sur une chose, c'est que on aura beau leur rabâcher le message. Mais c'est plus nos attitudes, nos comportements qu'ils vont d'abord apprendre. Et en fait, c'est comme ça aussi que la connaissance se transmet. Et cette connaissance-là fonctionne jusqu'à très tard dans le développement de l'adulte, hein. Donc, c'est-à-dire, même moi, personnellement, j'apprendrai beaucoup plus facilement de quelqu'un. S'il est à côté de moi, si je le vois faire, je vais apprendre beaucoup plus rapidement que ben, voilà, si je devais rester derrière mon écran. C'est ça. Alors. On va passer à une partie inspiration, parce que bon, bah, pour moi, quand même, la créativité se nourrit d'inspiration. Alors, ma question est toute simple. Quelles sont les choses qui t'ont inspiré et qui t'inspirent aujourd'hui? Ah, quelles sont les choses qui m'ont inspirée? Attends, je sais pas trop. J'ai pas de personne qui m'inspire, tu vois. Enfin, si, mais qu'est-ce que je raconte? Mais si, j'en ai une, évidemment. J'avais oublié de la citer. En fait, je pensais aux personnes connues. Donc, aux personnes connues, si tu veux, qui parlent à tout le monde, j'ai pas d'inspiration. Enfin, je lisais pas beaucoup à l'époque. Donc, si tu veux, voilà, mon mari lit quelques biographies, mon mari en lit quelques-unes. Et du coup, enfin, moi, j'ai jamais pris le temps, en fait, de m'ouvrir au monde. Et si tu veux, depuis 2013, je suis tellement focalisée sur la pédagogie Montessori que des fois, j'ai pas le temps, en fait, d'aller creuser un petit peu. Mais voilà, j'ai pas de personne comme ça qui m'inspire, des personnes célèbres, enfin, célèbres, connues. Mais si, j'en ai une, évidemment, c'est Donna Brand Gertz. Donc elle a ouvert une école au Texas, aux États-Unis, il y a 52 ans. Voilà. Donc je pense que ça devait être une des premières écoles Montessori aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne à un séminaire en février 2019, là oui, à Archamps, pas loin de la Suisse. Et donc voilà, en fait c'est son livre, donc le livre qu'elle a écrit Quand l'école s'adapte aux enfants, et aussi qui existe, enfin, qui a été traduit hein, du coup. En fait, ça m'a vraiment inspirée parce que c'est plusieurs témoignages en fait. Dans son livre, elle parle de plusieurs expériences de classe et avec des enfants qui arrivaient dans son école, mais des enfants en gros qui n'étaient pas bien dans le système classique et qui arrivaient dans son école et qui avaient des comportements un peu dérangeants. Et en fait, quand tu lis ces témoignages, tu sens l'amour en fait qu'elle porte aux enfants. Et avec cet amour, elle a réussi en fait à faire en sorte qu'ils se sentent bien et les comportements dérangeants ont disparu. Et en fait, voilà, ce livre m'a vraiment beaucoup inspirée. C'est un des tout premiers que j'ai lu. Peut-être même un petit peu avant 2013, avant de découvrir la pédagogie de Maria Montessori. Je ne sais pas comment j'étais tombée sur ce livre, mais vraiment, sa vision de l'enfant, l'amour qu'elle leur porte est vraiment magnifique. Donc j'en parle vraiment souvent de ce livre. Et le fait d'avoir pu la rencontrer en vrai, hein, elle a plus de 70 ans, je crois. Enfin oui, forcément, si elle a ouvert son école il y a 52 ans, tu vois, elle a plus de 70 ans. Et en fait, voilà, j'étais vraiment contente de pouvoir lui parler. Alors, je ne suis pas bilingue, mais j'ai quand même, voilà, je me suis quand même un peu débrouillée pour lui dire que son livre m'avait vraiment touchée, que j'en parlais tout le temps.
Et je vais proposer un podcast parce que moi aussi, du coup, je fais des podcasts, je fais des interviews, j'en ai à peu près 7-8, je crois. Et en fait, comme, avec la barrière de la langue, elle a préféré qu'on le fasse par écrit plutôt que comme ça. Mais voilà, donc son interview est sur mon blog. Et donc, j'étais vraiment, voilà, cette personne, elle m'inspire vraiment. Je rêverais de la rencontrer. Et d'ailleurs, elle m'avait proposé. Parce qu'on a échangé un petit peu pour faire l'interview, tout ça, on s'était vu en février, et elle me proposait d'aller observer l'école au Texas. Donc ça serait vraiment un de mes rêves les plus fous. Voilà. Et pour l'instant, ça c'est pas. Enfin, elle m'a pas. Elle m'a. Ça c'est pas encore. Au niveau organisation, si tu veux, j'ai essayé de lui dire, OK, est-ce que je peux venir 4 semaines? Proposez-moi 2 périodes différentes. Est-ce que je peux venir avec mes filles et est-ce qu'elles pourront être dans l'ambiance Montessori pendant ce temps? Enfin, tu vois, je suis allée un peu plus loin dans l'organisation. Et là, je n'ai pas eu de réponse. Enfin, elle m'a dit que c'était une personne de l'école qui allait s'en occuper. Il ne m'a pas répondu. Et je ne sais pas en fait si je vais le recontacter. Parce que d'un côté, je meurs d'envie d'aller vivre 4 semaines dans une école Montessori au Texas. Mais d'un autre côté, voilà, tu vois, je me dis, il y a le prix du billet d'avion, il y a tout ci, il y a ça, il y a ci, tu vois, et. Faut pas se limiter à ce genre de préoccupation. Oh là 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 Non, mais bon, ça compte quand même, tu vois, c'est pas un voyage, c'est un voyage qui coûte quand même super cher. Et, là. Ouais, mais mais voilà, en tout après. cas, j'en rêverais et cette personne m'inspire, vraiment m'inspirait énormément. Voilà, ta fille serait là et te dirait non, non, c'est une question de confiance et d'estime de soi. C'est ça, mais voilà, il faut. Après, je ne peux pas payer mon billet d'avion si je n'ai pas les 4 000 ou les 5 000 euros, donc il faut trouver quand même des solutions. Mais justement, tu vois, ça fait partie de mes objectifs pour revenir sur la créativité. C'est que maintenant, quand j'ai envie de quelque chose, je me dis pas. Bah, déjà, je le note. Voilà, je note sur une feuille toutes les choses qui me font vraiment envie, qui comptent vraiment pour moi. Et j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver, en fait. Et avant, je me serais dit, bah non, enfin. Là, tu vois, ça dépend. Bon, là en ce moment, je suis plus dans le doute pour cette histoire de voyage au Texas, mais ça se trouve, dans une semaine, je vais rebondir et je vais me dire, non, mais j'ai trop envie d'y aller, il faut que je trouve les moyens, des solutions. Et voilà, c'est là où j'exerce ma créativité, c'est que je me dis, tout est possible en fait. Avant, ça m'aurait juste fait envie, puis je me serais dit, oui, bon, allez, c'est pas possible, laisse tomber. Et là, j'ai envie d'être créative, enfin, je suis créative dans le sens où je vais trouver, alors peut-être pas pour le Texas, c'est pas un bon exemple, mais par exemple, pour ma formation en ligne, je ne me suis pas arrêtée aux problèmes informatiques. Voilà, je ne me suis pas dit, oh là là, mais ça, je ne sais pas faire, c'est l'horreur. Des fois, je passais 3 soirées, 2 heures par soir, donc 6 heures, à essayer de résoudre un problème informatique parce qu'il fallait qu'il soit résolu. Et voilà, je passais 6 heures dessus. Et puis, paf, d'un coup, ça marche. Et alors là, c'était l'explosion de joie. Mais voilà, c'est que je voulais que cette formation soit en ligne, donc je me suis donné les moyens d'y arriver. Et quand il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je trouve des solutions pour que ça soit faisable. Bah écoute, super. Alors, bah écoute, Céline, c'est l'heure de la dernière question. Vas-y, je t'écoute. Céline, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui? J'ai envie de changer le monde par l'éducation. Ça, c'est du Enfin, fort. c'est ambitieux, hein, mais. Ah ouais. Ouais, Ah, voilà. ça, c'est de l'ambition, ouais. C'est Purée. ça. Voilà. En tout cas, faire ma part au maximum. Voilà. Contribuer. J'ai envie de contribuer. Ça serait peut-être un peu moins prétentieux. J'ai envie de contribuer à changer le monde par l'éducation. Et ouais, c'est vraiment ce qui. Je parle maintenant. Je parle de mission de vie parce que voilà, c'est vraiment ça qui me motive, je trouve pas le mot. Qui m'anime. Voilà. Qui m'anime. Ok. Bah écoute, Céline, je te remercie. Merci à toi. Céline, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, soit sur le blog montessori-apprendre-autrement.com, sur Facebook, donc sur le groupe Facebook Réinventons l'école-Montessori. Et voilà, de toute façon, sur le blog et sur Facebook, voilà, vous trouverez mes coordonnées, adresse mail et numéro de téléphone. Alors, c'est sûr qu'Internet, c'est génial parce que ça permet de. Voilà, d'échanger plein de choses. Mais moi, j'aime parler aux gens. Et du coup, voilà, si les gens sont intéressés par la formation ou même sont intéressés voilà, pour d'autres choses, juste pour échanger, bah, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler parce que j'ai souvent des appels hein, d'enseignants. Et voilà, et j'aime leur parler, j'aime leur voilà, partager mon enthousiasme. Et voilà, c'est. Donc même si. Bon, même si voilà, les mails, c'est vraiment courant maintenant, bah moi, je reste encore téléphone.
Oh, t'inquiète pas, je pense qu'on aura bien entendu ton enthousiasme autour de Montessori. Hein, donc, Ouais, je pense, et ouais. bon. Et bon, comme d'habitude, les liens, je les mets sous la vidéo, donc sur YouTube. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, que vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme que sur YouTube, eh ben démerdez-vous pour les trouver. Voilà. Donc, Allez, je te remercie beaucoup, Céline. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.